Alors, bonjour à tous et à tous, chers abonnés. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une vidéo inédite. Je vous cache pour le moment car il ne faut pas que vous voyez. Chers abonnés, voilà tant le sujet de la vidéo, un booster de cartes. Nous allons maintenant découvrir son contenu. Oh, et oui, excusez-moi pour le coup de ciseau, je ne savais pas trop comment on fait pour l'ouvrir, donc j'ai pas trouvé d'autre solution. Maintenant, chers amis, nous allons découvrir les cartes qu'il y a à l'intérieur. Bon bah voilà, chers abonnés, nous y sommes. En premier, nous avons Kalinos de type feu, qui est à ma flamme incessante, 70 PV. Quelle belle carte, quel Pokémon mignon. Et vous, qu'en pensez-vous? Moi, perso, je l'adore. Ensuite, nous avons Polychombre. Avons Polychombre de type 6, 60 PV. Qui attaque à ombre enveloppante 10. Cette attaque fait que si on obtient pile, on évite le. Si on obtient face, on ne peut. Cette carte est très belle, quoi. Je vous invite à dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Merci. Ensuite, nous avons Compagnol. 30 PV de type normal qui attaque à rouge et 20 PV. Cette carte, je la trouve basique, mais en même temps, les souris qu'il y a dessus sont trop mignonnes. Ça me donnerait presque envie de les adopter, ces petits bouts de chou. Ensuite, nous avons Olivini, 50 PV de type plante qui attaque à charge 30 PV. Pas terrible la carte, mais le dessin est très beau. On a presque un peintre qui a fait ça. Ensuite, nous avons Nigirigon, 70 PV de type eau, qui attaque à préparation et à recroquevillement. Un recroquevillement qui est 30 PV. Cette carte, je la trouve hyper belle. Waouh, elle est trop beau, elle est trop belle. On dirait presque qu'on est trop bien mélangé un poisson, une sirène quoi. Je vous laisse l'admirer. Passons maintenant à la carte suivante. Nous avons une faible au bol, une carte dresseur. Bon, personnellement, je n'aime pas cette carte, mais si vous l'adorez, tant mieux pour vous. Passons à la carte suivante. Ensuite, nous avons Pachirisu de type électrique, 70 PV, qui attaque à joue électrifié. Ce Pokémon ne peut pas être paralysé via cette attaque. Ensuite, nous avons l'attaque coup de jour groupée. Je vous laisse lire. Alors comme je disais les amis, avant que les cartes tombent dans la vidéo, il y avait cette magnifique carte. Passons maintenant à la suivante. Nous avons Kirelia, 90 PV de type cible, une carte brillante qui est ma foi trop belle. Elle est bien puissante, elle est puissante en plus. Niveau PV, niveau dégâts c'est pas mal, mais lui il y a quand même mieux les amis. Je sais pas vous, mais c'est pas vous, mais si vous avez l'évolution de Kirelia Gardevoir, je vous invite à me le dire dans l'espace commentaire. Ensuite, nous avons une recharge d'énergie, une carte dresseur en objet. Elle aussi qui est brillante, ma foi, trop belle. Son design est trop beau comme l'image. Voilà, oh là, c'est quoi ça les amis? Un scalpereur type TDM 170 PV. Trop belle. J'adore. C'est pas vous mes amis, mais moi j'ai toujours rêvé d'avoir cette carte. Et si vous avez remarqué la lame dorée en haut,
Ça fait référence au katana des ninjas avec les étoiles. Et les étoiles, ça c'est les petites étoiles qu'on lance. Voilà. Je vous laisse regarder cette belle carte. Je sais pas vous, mais si vous avez toute la famille de cette carte Pokémon, je vous invite à le dire dans l'espace commentaire. Cette carte, ou que vous ne savez pas, ce Pokémon, ou que vous ne le savez pas, est un Pokémon très joué en stratégie de 9G. Passons à la carte suivante. Nous avons une carte énergie, une carte énergie de type combat de base. Tout ce qui est plus basique, mais je vous laisse l'admirer quand même pendant quelques secondes. Et ensuite, nous avons ça. Nous avons ça. Une carte Pokémon Live pour avoir des récompenses sur le site de jeu en ligne. Je vous laisse l'admirer pour que vous puissiez connaître son existence, ou que vous ne le saviez pas déjà. Bon bah voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous a plu, je ne peux que vous inviter à la liker, à la partager, à mettre des commentaires pour le référencement et à me dire ce que vous pensiez dans l'espace commentaire. Ah oui, et autre chose. Non, et autre chose. Non, et en fait, c'est un prank. Allez, c'était Sofianaware et à plus tout le monde pour la prochaine vidéo.